Et salut, c'est Axi, nouvelle session, la deuxième cette fois sur Gears Tactique. On est toujours sur Twitch, si vous voulez aller follow la chaîne, le lien est dans la description, surtout n'hésitez pas. Allez, c'est parti! Laissez pour compte, objectif facultatif, terminer la mission sans un seul Gears mis à terre ou tué. Ok, donc ça je prends des trucs en plus. Laissez pour compte, il faudrait une armée pour venir à bout du con. Mais Prescott refuse d'envoyer des renforts. Partez pour la base d'opération la plus proche et recrutez des Gears. Des Gears avec des grosses baloches. Pardon, mais ça me fait rigoler, c'est mon petit... C'est ma petite rigolade du confinement, quoi. Il faut faire comme on peut. Allez, c'est parti. C'est parti, sortez les baloches. Une fantôme, donc les possibilités de recrutement sont maigres. Notre meilleure chance de trouver des Gears, c'est Echo 5, une unité de réserve postée pas loin. Allons les voir. Ah, lancer la mission. Moi, je voudrais bien un 4x4 comme ça. Unité pour notre chasse à la larve. Ça va pas être facile. Vous en faites pas. Mon discours de recrutement est prêt. Ouais. C'est ça qui m'inquiète. Il va leur mettre des grandes tartes dans la gueule. Vous allez venir travailler pour moi, sinon je vous arrose. Voilà. Tout va bien pour tout le monde? Nous recherchons Echo 5. C'est bien nous, monsieur. On s'est fait piéger par des larves à 500 mètres d'ici. Non, on est plus que deux, on s'est fait défoncer, mais on veut bien vous aider. Vous nous suivez. On va rejoindre votre escouade. J'espère seulement que l'escouade a bien survécu. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'on va diriger tout le monde? Ouh, la mitrailleuse qu'il a, lui. Excellent, excellent le pétard qu'il a. Plus personne. Allons vérifier au site de l'embuscade, voir si on peut retrouver ces Gears. Énorme, on contrôle tout le monde. Alors, ah j'avais pas vu, Gabe Diaz soutien. Papy, il est quoi? Papy, il est avant-garde, ok. J'écoute. Lui, unité lourde. Bien sûr. Et éclaireur, donc éclaireur... Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Éclaireur, elle peut faire camouflage. Cette unité entre dans l'état dissimulation jusqu'à votre prochain tour. Les unités dissimulées sont invisibles des ennemis. La dissimulation prend fin lors de l'utilisation de compétences et d'interactions. Ok. Ok, ok. Bon. Du coup, toi, maintenant, tu as le spray. Soigne la cible alliée, ça c'est parfait. Plus les grenades. Et toi, t'as rien. Ok, toi tu pues la merde. Donc, toi tu vas aller devant, papy. Papy va devant. Et papy... Papy, il fait ça. Voilà, papy, tu te mets en protection, papyps. Ginette. On va l'appeler Ginette. Elle va ici, Ginette. Bien reçu. Diaz, il va aller derrière la bagnole, du coup il peut pouvoir l'autre là-bas. Ah, il y a une caisse là-bas. Il y a une caisse, mais je sens que si je vais la chercher, il y aura bagarre. Mais c'est pas grave, on va quand même aller la chercher. Ok. Attends que je regarde un peu le terrain. Il y a rien. Il y a juste la caisse. Là, il y a un puits, mais forcément il va s'ouvrir. Il y a une autre caisse là. Ok, donc faut quand même qu'on regarde parce que y a quand même des trucs à récupérer. Et gros balèze, tu vas aller ici pour l'instant. Et du coup, on aura fait un bon petit tour. Ok, ça a tiré, bam. Ils sont... Ouah, mais ils sont combien? T'es
sérieux là? Attends, si tu vas là-bas, prendre la caisse. Putain, est-ce qu'on va la prendre comme ça? Allez, tu vas prendre la caisse, gros. Très utile. Tu vas prendre la caisse et tu reviens te planquer. Voilà. Entendu. Papy, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tirer déjà. Voilà, papy tire un petit coup. Papy va retirer un coup. J'ai presque plus de munitions. Et papy, il va se mettre en protection. Contre la garde. Unité lourde. Papy se met en protection. Toi, tu vas te mettre aussi en rafale. Et éclaireur, tu vas commencer à avancer. Là, ça fait deux. Ça fait deux, mais... Vas-y, tu vas là. Camion radio droit devant. Tu vas là, si tu te mets en cousins, mode camouflage. Voilà, là, en camouflage. Préparez-vous. Donc normalement, elle ne se fera pas toucher. Grave, il l'a pas vu. Ah, ils vont chercher loin, c'est parfait ça. Alors par contre, quand est-ce que le puits s'ouvre? Parce qu'il y a quand même un puits. Putain, mais tu tires n'importe comment, gros. Alors. Toi, déjà... Il faut que tu tues lui avec ton flingue. Voilà, ça suffit. Ça suffit. Donc tu vas aller le finir déjà. Parce que du coup, si je le finis, normalement je récupère un point. Bam, la tête, il l'a démoli. Tu l'as eu. Tir incapacitant. Ce tir interrompt la vigilance, ok. Et du coup, avec ça, peut-être recharger vigilance. Toi, je vais te mettre en vigilance de lui. Zone d'exécution établie. Elle, clairement. Ça, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est son camouflage. Qu'est-ce que tu peux faire sur lui? 77. Vas-y. Oh, elle l'a mis cher. Elle lui a mis cher de cher. Donc là, il y a un mort. Il reste lui. Alors, toi, t'es là. Toi, bien. Qu'est-ce que tu vas faire sur lui? 52%, c'est pas ouf. Est-ce que ça se tente? Vas-y, ça se tente. Waouh, c'est raté! Vas-y, je la retente. Putain, ça fait de la merde. Ok, c'est dégueulasse. C'est complètement dégueulasse. Du coup, on va le mettre en vigilance. Et Papy, ce qu'il va faire, Papy, il va aller buter lui. J'y vais. Parce que Papy, il a des grosses baloches. Papy, on l'a pas fait venir pour sodomiser les mouches. Oh non, on voit pas. Papy, il est clairement pas là pour faire... pour faire figuration. Et Papy, ce qu'il va faire... Qu'est-ce qu'il va faire, Papy? Papy va aller se cacher là. Et Papy... Papy, on est de la baisse parce que Papy, faut qu'il recharge, voilà. Chargement, on n'a pas le choix. On se met en route. Prête. Et du coup, il reste elle. Et elle, ce qu'on peut faire, peut-être... Alors, est-ce qu'il n'y a pas des trucs à récupérer là? Non mais j'ai pas récupéré le coffre. J'ai la marche. Je suis trop con. Et elle va aller ici. Voilà. Je pense qu'on a bien, bougé. Alors putain, lui il va vraiment loin. Il tire vraiment. Oh merde, on l'a oublié lui. Je l'ai oublié. Complet.
Bah papy, là je peux te dire qu'il est pas près de... Il est pas près de choper le coronavirus. C'est le coronavirus qui a peur de papy. Papy, il le craint pas, le coronavirus. Il s'en bat. Suivez-moi. Donc toi, tu viens là. Tu vas essayer de tuer lui. Tu vas y arriver? Mais putain! Sérieux! C'est trop chiant. Allez-y. Toi, tu sers un peu à rien. J'aimerais bien que tu serves un peu plus à quelque chose. 68%, sérieux. 90 par contre là. Là, ça c'est parfait. C'est pas, tu vas aller. Ah non, il peut pas aller l'abattre. Putain. Il peut pas. Du coup, attends, on va le mettre comme ça parce que si son pote, il veut aller soigner, il va se faire défoncer. Elle peut aller en exécution, mais ça va pas passer. Ça va pas passer. Du coup, on va la mettre là. Ça va pas passer parce que lui, il est en vigilance. Donc, si elle y va, forcément, ça foire. Voilà. Ça et deuxième tir. Lui, il est grave dans la merde. Et papy, lui, on va attendre. On va attendre. Je pense pas qu'il puisse se relever. Papy, okay. Vient là. Normalement, il est hors zone et papy va tirer sur lui. Mais papy, je t'ai mis une lunette pour tirer mieux. Putain, il est sérieux. Papy, tu lui mets une lunette de dingue pour qu'il tire correctement et il n'y arrive pas. Il me fait chier, lui, là. Il fait pas du tout ce que je pensais. Recharge. Munition chargée. Ok. Va tronçonner lui. Comme ça, ça c'est fait. Considère ça comme de la... Bam. Ok. Tronçonnette. Après. Après, papy. Papy, faut faire quelque chose là. Papy, faut que tu vises. Ta mère. Putain, papy, mais papy, achète-toi des lunettes, sérieux. Fais tourner ta caméra, toi. Vas-y. Papy. Papy, tu vas là. Allez, mon papy. 53%, papy. Putain, mais papy, tu vas y arriver ou pas? Voilà, papy. On t'avait dit que tu arriverais. Alors, unité lourde qui sert à rien. Bah, tu sais pas, unité lourde. Déjà, tu vas recharger, unité lourde. Couvrez-moi. Et ensuite, tu vas couvrir lui. Ouvre l'œil. Voilà. J'écoute. Toi, mademoiselle, se casse des bouches. Mademoiselle, je casse des bouches. Tu vas aller casser la bouche à lui. Compris. Déjà. Tu vas lui mettre cher. Et bam, une jambe. Baseball. Baseball et recassage de bouche. Voilà, toi, on va l'appeler casseuse de bouche. Regarde ça, bam. On ramènera au moins leur plate chez eux. Papa, ce qu'elle lui met à chaque fois. Et tu vas recharger. Je vais recharger. Bon, elle est d'une violence, cette jeune fille. Elle est totalement violente. Et papy, je sais plus quoi faire de toi parce que papy, tu tires vraiment comme de la merde. Du coup, c'est gênant. C'est gênant comme il tire, papy. Papy, est-ce qu'il y a un truc à couvrir? Faut que j'aille où, moi, déjà? Je sais même pas où je dois aller. Je sais pas où je dois aller. Ok, papy, peut pas aller chercher rien du tout. On va dire fin de tour.
Bah ouais gros, t'as pris. Ouh, mais cher, mais putain. Alors, ce qu'on va faire, c'est que toi, en fait, tu vas l'oublier. Et toi, tu vas te barrer le plus loin possible. Clairement. Bien sûr. Mais grave, c'est tellement les filles les plus violentes. Oui. Ensuite, toi, tu vas faire du spray sur copain. Bouge pas, je vais t'aider. Ah, mais c'est tout. Mais comme c'est nul. Oh, c'était nul. Vas-y, fin de tour. Je m'en fous. Faut que lui, il vienne. Ah putain, il va me tirer dessus. Ah non, c'est bon. Donc, Gab. 45. Allez, on croit en toi. La merde. Allez, on recroit en toi. Et voilà! Je le savais qu'il allait pouvoir y arriver. Alors, champ de bataille déblayé. Du coup, tu vas venir. A gagné la première manche. Mais c'est pas terminé. Postez-vous venir près là. Du camion radio. Ah, sur Call of, tu peux jouer une fille en multi. Ah, j'ai pas trop suivi les dernières là. Toutes les dernières mises à jour de Call of, là, j'ai pas trop suivi. Hop, je vais mettre petit chat ici là. Hop là. Hop là, le petit chat. Tac tac tac. Voilà. Ouais, elle fait des exécutions. Alors, toi. Mais de toute façon, dans Modern Warfare, je crois qu'ils font tous plus ou moins des exécutions, il me semble. Allez-y. Si je dis pas de conneries. Alors, meuf, va chercher la caisse. Ouais, elle casse des bouches, elle récupère les caisses. Depuis tout à l'heure, c'est vraiment le personnage qui est le plus utile, quoi. Avec Papy, parce que Papy, quand même. Mais Papy, planque-toi, qu'est-ce que tu fais? Alors? Ça va se gâter. Oh, ma vieux! L'arve à 12 heures. Est-ce qu'on avait quand même la meuf qui parlait avec la voix de Papy, là? C'était un peu bizarre. Oh putain. Oh putain, toutes les bestioles. What? Oh. Calmos de ouf là. Meuf, grenade, direct. Toi tu vas lancer grenade ici. Bam. C'est vraiment celle qui nous sert le plus. Elle est exceptionnelle. Meuf, du coup, tu vas te mettre avec ton... Je pense que tu vas plutôt te mettre avec ton flingue. Et tu vas flinguer comme ça. Diaz, qu'est-ce qu'il va nous faire? Diaz, il va venir ici. Je suis en mouvement. Et Diaz, il doit pouvoir viser sur lui. Voilà, 77%, parfait. Propre. Entendu. Papy, pour l'instant... Attends, non, en fait, non, pas pour l'instant. Papy, tu vas tirer sur lui. Tu vas tuer lui, Papy. Parce que Papy, il faut qu'il garde sa grenade pour la suite. Là, faudrait que je vois l'exécution, ce que c'est, de la meuf, là. Putain, Papy, pourquoi tu rates ton tir? Pourquoi tu fais ça, Papy? Et toi, du coup, avec ton flingue, tu devrais pouvoir tuer lui quand même, à 80%. Voilà. Une larve en moins. Ça, c'est bon. Ensuite, toi, il te reste 2 actions. Si tu vas là, ça coûte 1 sur 2. Dégage. Allez, on va faire 1 sur 2 et il va se mettre en vigilance. Qu'est-ce que tu peux me faire comme vigilance? Ouais, c'est pas mal comme angle, j'analyse ça. La zone. Ça va s'ouvrir, voilà. Hey, un puits. Ça sort, elle devrait pouvoir tirer, cette voilà. Tire sur lui. Ça s'appelle Domino, c'est une asiatique, elle te déchiquette au katana. Ennemi en vue. Oh non! Putain, elle fait de la merde sur Papy.
Ouais, elle est pas bien. Papy non plus, il est vraiment pas bien. Diaz. Alors, attends. Toi. Unité lourde présente. T'as une grenade. Est-ce que tu peux jeter la grenade? Par contre, ça tue Papy. Ça, normalement, je tue les trois là. Là, je tue lui derrière. Toi, tu vas lancer grenade comme ça. Là, pas mal. Là, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Avec ton flingue, qu'est-ce que tu peux faire sur lui? 90%. Ça, c'est fait. Putain, là, t'as été efficace, gros. Là, t'as vraiment été efficace. Et, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il nous reste un tour. Il nous reste un tour. Un tour. Un tour, il va commencer à contourner. J'attends les ordres. Ensuite, toi, tu peux pas bouger. Par contre, tu vas te mettre en fufu. Je pense qu'on va la faire passer fufu. Comme ça, lui, il peut pas la toucher. Voilà, là, elle est fufu. Et en fufu, tu vas bouger, en fait. En fait, on va la faire bouger. Où est-ce qu'on va la mettre? On va la faire venir là, en fufu. Voilà, comme ça, elle se sort de la merde. Toi, sur lui, tu peux faire quoi? 10%. 10%, c'est clairement annulé. Par contre, si tu viens là, ça me coûte 1. Si tu viens là, ça me coûte 1. Et on passe à 22%. 22%, c'est de la merde. Par contre, tu peux genre faire une protection comme ça. J'analyse la zone. Tu peux faire une protection comme ça, c'est pas mal. Et du coup, Papy, avec la balle qu'il a. Putain, il est qu'à 35%. Papy va déjà jeter la grenade. Grenade! Ça c'est réglé. Et ensuite Papy sur lui il met quoi? Il met 30. Et sur lui on a dit qu'il mettait quoi? Par contre attends, est-ce qu'il peut aller? Oh, il peut aller le défoncer. Allez Papy. C'est bon. T'es prêt? Allez Papy. Et voilà Papy, c'est ça qu'il fallait faire en fait. Bien mon papy. Oula, je crois que j'ai eu un bug de caméra là. Putain, il nous a fait ça propre papy. Allez, va te cacher, tu l'as bien mérité. Non merde. Ah, oh, j'aurais pas dû faire ça. Merde. Parce que là il va me boire. Il va me tirer dessus. Ah là 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 là. L'erreur de débutant. Ok, on va se... Oh putain, on se fait reprendre dans l'autre sens. Pas bon ça. Pas bon. Alors, toi déjà, qu'est-ce que tu fais sur lui? 62%. C'est pas, on va aller claquer une exécution. J'avance. Voilà. Comme ça, on récupère un point de plus. Donc là, on a joué un peu agressif. Est-ce qu'il va falloir aller par là-bas? Je vois pas de... Par contre, là, on pourrait grave se... Je pourrais grave me confiner ici. Est-ce que on tend un piège? Le problème, c'est que... Si je vais là-bas, je peux me faire attaquer. On va prendre des positions. On va prendre position. Toi, tu vas venir là. On sait qu'on va se faire attaquer dans l'autre sens. Donc toi, tu vas venir là.
tu protèges. Zone d'exécution établie. Toi, tu vas jeter ta grenade sur spray tonique ou spray. Soigne la cible. Fais du spray sur lui. Et sur lui. Voilà, un petit peu de spray. Ouais. Papy, ce qu'on va faire, papy, c'est que tu vas revenir ici. J'y vais. Papy, il va croiser. Je monte la garde. Unité lourde. Toi, tu vas venir te planquer derrière, forcément. Et tu vas aussi protéger comme ça. Voilà. Non, on est pas mal. On est pas mal parce qu'ils arrivent tous de là-bas. Donc voilà, ça va commencer à se mettre en place. Toi, tu mitrailles, voilà, ça défonce. Donc là, on est plutôt bien, là. Là, on est plutôt bien. Toi, tu peux tirer sur grave du monde, là. Ça, c'est pas mal. Par contre, ils sont loin. 17%, 29%. Là-bas, c'est du 10%. C'est du 10%, donc ça me sert à rien. Par contre, peut-être que... Ouais, tu vas protéger comme ça. Tu montes la garde. Tu montes la garde. Toi, clairement. Ça, c'est dommage qu'ils puissent pas faire genre un tir de suppression, lui. 70. Toi, je préfère en fait que tu fasses ça. Je pense que t'es plus efficace en faisant ça. Allez-y. La meuf, clairement, elle va venir. Tu vas venir en renfort par là. Et papy, il va recharger déjà. C'est bon. Papy, il peut mettre 39. 39, c'est de la merde. Papy va protéger comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Ils retiennent jamais la leçon. Bon, lui ça touche. Lui ça touche grave à chaque fois. À fond, là. Je l'ai en ligne. Voilà, deux en moins. Donc lui clairement c'est vraiment le personnage de défense. Ah ouais. Ah ouais. Donc ça c'est pas mal. Donc toi tu peux pas bouger. Papy il peut bouger. Donc papy déjà faut qu'il tue lui. Voilà clairement. Il a l'air mort. Ensuite papy ce qu'il peut peut-être faire c'est le tir incapacitant sur lui. À 62% de chance. Avec un petit coup critique. Du coup papy il lui reste 1 donc c'est papy qui va prendre la position. Voilà. Toi. J'écoute. Toi tu vas. Elle peut pas faire d'exécution. Putain c'est dommage. Toi tu vas mettre un coup de pompe dans lui. Non elle le rate, mais j'y crois pas. Meuf. Oh elle tue les deux. Excellent, du coup avec le point qui te reste tu vas recharger, tout simplement. Je vais recharger. Qui c'est qui me reste il me reste 3 pour toi. Ouais. Toi tu recharges. Je recharge. Lui il reste 3, du coup est-ce qu'on peut le... Ouais on peut le repositionner ici. On va le faire revenir. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu peux faire? 37%, non, ça sert à rien. Du coup, on va plutôt rester en protection. Mais je pense que là, on est pas mal. Là, on est bien, je pense. On est pas mal. C'est à nous de jouer. Alors, j'en ai un ici, donc est-ce que je peux refaire un tir incapacitant? Non, je ne peux pas. Ça, c'est ballot. Intimidation... Non, ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Attends. Si tu tires sur lui, 87%.
Ok, parfait. Ensuite, si tu tires sur lui, 62%. 62%, ça se tente quand même. Et avec ça, 33. 62. Ouais, enfin, 62, je le tente. J'ai besoin de munitions. Putain, ça le fait pas. Ok. Prends la ligne quand même. Est-ce que toi, tu peux venir? Est-ce que tu peux... Ouais, elle peut commencer à venir là. Ouais. Qui est-ce qu'il me reste? Il me reste toi. Le problème, c'est que lui, dès qu'il sort... il se fait tuer, quoi. Dès qu'il sort, il se fait tirer dessus. Bon là clairement on tente un truc. Dégage un peu les oreilles. On tente un truc. On tente un truc. Comment je peux pas. Pourquoi je peux pas refaire une exécution? Genre. Je peux pas enchaîner deux exécutions. What the fuck? Oh là là la merde. Putain. Exécution. Pourquoi je peux pas refaire une exécution? Mais what the fuck? Attends. Unité lourde présente. Attends, parce que du coup, l'exécution. Toi, tu peux aller tuer lui. On peut pas aller faire eux, mais par contre, tu peux aller tuer lui. Garçu. On en parle. Oh, mais on a pas vu. Remboursé. Et toi par contre, est-ce que tu peux faire quelque chose? 10%, putain, c'est nul. 10%, donc du coup tu vas te mettre en rafale comme ça. Ouvrez l'œil. En attente. Et du coup il me reste elle. Elle peut me faire camouflage. Parce que là, ouais, elle va rien faire. Si tu viens là, tu fais 1. Et il lui reste que 1. Non, du coup, faut que tu fasses ça et ça. Je laisserai rien passer. Ça et ça. Et toi, faut que tu viennes te planquer là, hein, y a pas. Tu te planques là et recharge. Ouais, je pense qu'on peut pas faire bien mieux sur ce tour-là. Ça me paraît compliqué de faire mieux. Bon, on prend un peu de dégâts, mais ça va en fait. Ok, à notre tour. Toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tire incapacitant, et avec ton pompe, tu peux aller là. Là, je suis à 2. Là, je suis à 2 sans me faire voir. Et tu vas lui mettre un coup de pompe à bout portant. Là, meuf, si tu le rates. Non, ça le tue pas, mais putain. C'est parti. Quel enfer. Quel enfer. Ah, c'est chiant. Unité lourde en attente. Toi, tu lui mets 72. Tu rates, mais t'es sérieux? Mais c'est pénible ces ratages. Comment vous pouvez rater ça, les mecs? Ça, c'est bon. Toi, si tu sors. C'est pas grave, tu vas aller tuer lui. Tu vas tuer lui, comme ça je récupère un point d'action. Donc c'est comme si ça m'annulait le truc, et du coup, tu tues lui. Et voilà. Et c'est parfait. C'est parfait ça. Ça c'est rondement mené, comme on dit. Ukon élimine les unités de réserve. C'est quoi ça? De l'émulsion? Il les a pas tous tués. Il y a
a des traces. Vous êtes sûr qu'ils sont vivants? Les morts ne remuent pas. Si ces Gears ont de la chance, la TACOM les trouvera. Ouh, on a récupéré un beau truc là, c'était pas le nôtre ça. Change de camion, parfait. Beau camion encore. Et les voilà, en route. Allez, on se met bien. On se met carrément bien là. Qu'on a combien? 3 caisses. Parfait. Ah, papy, il a un cache-œil, tu m'étonnes. Il voit rien, papy. Bon, bah voilà. Franchement, une affaire bien menée, quoi. Bien menée, tout ça. Donc, classe éclaireur est désormais disponible. Marchella, rejoins votre escouade. Tyrone, classe unité lourde. Déjà, on va ouvrir nos petits coffres, quand même. Allez. Ok, super. Je sais pas à quoi ça sert. Des bottes. Des bottes. On a que des bottes. Canon puissant, c'est bon ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Caserne. Alors, Gabe Diaz, il a pris 0 point de compétence, ok. Par contre, alors ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Modèle. Équipé, 10% d'esquive, 0,5% de portée de déplacement, 5% d'esquive, plus 15% de santé. Compétence passive, Mastoc. C'est quoi la compétence passive? Mastoc, Mastoc, c'est étudié, gagne 5% de réduction des dégâts. Putain, moi, je pense ça c'est parfait ça. Oulala, parfait. Rare Jambia. Ah mais attends. En cours d'utilisation. Toi t'as quoi toi? Caserne, attends. Je peux changer mon canon. Ok. Je change mon canon. Et du coup, Gabe, grenade à fragmentation ou spray tonique. Non, on va lui garder son spray tonique. Sid, qu'est-ce qu'il peut faire sur son arme? Il peut changer encore de viseur. Alors, est-ce qu'il va pouvoir y voir mieux? Parce qu'à chaque fois, il voit que dalle. 50%, 7 bonus de précision. 7%, 5%. Vas-y, on va lui mettre 7%. De toute façon, il n'y voit rien. Poignée. Plus une munition, ça c'est bien. Viseur, compétence passive, patrouille. Les tirs de vigilance de cette unité infligent. Ça va faire mal ça. Canon. Canon à impact. Compétence passive, interruption. Bien sûr qu'on prend. Et Tyrone, du coup, fais voir Tyrone. Toi, est-ce que tu peux changer de bot? Ouais, on a masse bot en fait. Parce que là, il a des jambières par défaut, mais. Mastoc c'est quoi? C'est une unité 5% plus 30% de santé. Attends. Ah oui, c'est Sid qui a ça, ok. Ça c'est déjà utilisé, du coup il me reste ça en disponible, ok. Et ben Tyrone, on va te mettre ça. Et Marcella, on va te changer, parce que toi t'as de la merde, du coup on va te mettre de l'esquive. Voilà. On va te mettre de l'esquive. Et du coup on est bien, voilà. Voilà, deuxième épisode, un bon deuxième épisode. Ah, j'ai pas regardé s'ils avaient... Y a personne qui a des petits points de compétence. Non, personne a des petits points de compétence par contre.